Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 dans la série par Thor et Odin, on en est à l'épisode 22. Et comme certains auront remarqué, il y a quelques petits changements. Alors, quand on s'était laissé la dernière fois, on s'était laissé au 22 octobre 1018, et là on est au 1er juillet 1027. Pourquoi ? Alors ça fait un peu comme la dernière vidéo Reus, non pas Reus, Europa Universalis 4. J'ai eu un problème d'enregistrement, j'ai fait une session, j'ai enregistré l'épisode 22 et malheureusement j'ai enregistré mon son mais je n'ai pas enregistré ma vidéo, donc c'était un peu difficile. Comme j'enregistre tous les mois et j'enregistre, j'ai un enregistrement auto tous les mois mais pas forcément un enregistrement entre chaque événement, j'ai perdu tout l'épisode 22. Donc là je tourne à la suite, ça va être le véritable épisode 22 en fait. Mais il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Alors comme vous pouvez le voir, la Norvège maintenant, comparé au dernier épisode, il n'y a plus de guerre. Les seules guerres, il y a quelques guerres, mais notre roi essaye de récupérer en fait quelques territoires, vous voyez, de la Lituanie. Il essaye de récupérer quelques territoires, nous aussi également, puisqu'on est en train de, on est en train de faire la guerre pour récupérer totalement la couronne de Lituanie. Et en fait, tout simplement, ça fait beaucoup de différence, puisque la dernière fois, notre fils était roi de Lituanie, roi de Norvège. Entre temps, dans l'épisode 22, en fait, la rébellion qu'il y a eu en Lituanie a gagné. Notre fils a perdu sa couronne de Lituanie. Par contre, on a réussi à tuer... j'ai réussi à assassiner toute la lignée de personnes qui possédaient ce territoire-là. Ce qui fait que toutes ces personnes-là ont fini par décéder. Il y avait vraiment une sacrée liste en fait de personnes qui ont fini par mourir. Je crois que je suis arrivé à près de 20 ou 30 assassinats pour arriver à ce résultat-là, pour que la guerre cesse. Et ce qui fait qu'on a eu plusieurs revendications. Donc mon fils bien entendu qui a une revendication pour la Lituanie. Là la guerre que je fais c'est une guerre d'assujettissement. Donc ce qui fait que c'est pas une guerre avec où notre fils peut revendiquer. Vous voyez qu'il a la revendication pour le titre de royaume de Lituanie. Pour le compte de Murray, puisque également Murray est devenu indépendant, puis ensuite a été conquise pour créer le royaume de Scotland. Là encore, cette personne-là était un de nos alliés que j'ai fait assassiner pour que sa fille hérite en fait de tout ça. Et vous voyez qu'elle a quelques revendications sur nos territoires, mais malheureusement, en fait, il faudrait plutôt essayer d'assassiner essayer d'assassiner un peu tout le monde pour essayer de récupérer le royaume de Scotland. Puisque nous n'avons pas de revendication directe, la personne qui est reine de Scotland, c'est notre nièce, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a plusieurs problèmes comme ça, il va falloir essayer de régler. Alors, au niveau européen, où en est-on ? Alors, bon, bien sûr, l'Écosse a réussi à se former, comme vous pouvez le voir. L'Irlande, je crois que ça fait partie des alliés... Il y avait des alliés de... C'était un des alliés de notre fils. Vous voyez que l'Angleterre est très morcelée avec beaucoup de guerres. La Lotharingie également très morcelée. La Bavière, on n'en parle pas. La Bourgogne également, c'est beaucoup partagé. Une guerre en Aquitaine, certainement pour savoir qui va être à la tête de tout ça. D'ailleurs, elle est en train de se... Vous voyez que c'est une guerre d'excommunication en plus. Donc où il y a le roi de France, roi de Lotharingie, le roi d'Aquitaine contre la Bourgogne. Donc là, il y a vraiment beaucoup de guerres entre les catholiques. L'Italie qui reste plutôt entière pour l'instant.
Amalfi qui s'est étendue un petit peu mais sans plus. Venise indépendante qu'on a pillée plusieurs fois et qui nous a permis d'ailleurs d'obtenir le titre Viking qu'on n'avait pas vu la dernière fois. Donc qui s'est passé dans l'épisode 22 Fantôme en fait, hein. L'Asturie qui a perdu énormément de territoire. La Navarre qui est devenue indépendante pour l'instant et qui pourrait former son propre royaume. Les Suleyman, voyez que l'Andalousie et la Mauritanie d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas les deux titres? Non, il a que le titre d'Andalousie, mais il a également le titre sur la Mauritanie. On voit le Mali qui s'est formé. L'Empire Henri, donc qui est l'Empire arabe, qui s'étend bien sûr sur l'Égypte, sur une partie de l'Abyssinie, de la Nubie. On a les Abbassides qui également contrôlent ici en fait tout le territoire. C'est une grande partie de la du royaume de Mésopotamie. Les Safarides qui sont que je regarde, sunnites, et c'est ben, le royaume de Perse, tout simplement. Le royaume de Perse qui s'étend sur une grande partie du royaume de Jure, hein, si je ne me trompe pas, vous voyez, qui a pris vraiment beaucoup de territoire. L'Empire byzantin qui est assez partagé, qui a subi pas mal de guerres, comme vous pouvez le voir. Les Turcs seldjouks qui sont venus manger, qui ont fait leur apparition, je crois, dans le dernier épisode, et qui sont venus manger l'Empire couman, en fait, qui ont attaqué tous les Tengri et qui ont fait un grand massacre. Du côté, ici, la Russie qui est fortement morcelée, le royaume de Perm également bien morcelé. On se retrouve avec la Hongrie où il y a une guerre actuellement, je pense. Ouais, guerre de succession, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une guerre de succession pour savoir qui récupérera la Hongrie, qui devrait bientôt se terminer, puisque le roi de Hongrie gagne pour l'instant avec 100%. Donc vous voyez que, bon après il reste les quelques territoires slaves avec la religion slave qui est réformée, hein, je le rappelle, puisque maintenant vous voyez qu'il y a anciens slaves et nouveaux slaves au niveau des religions. Attendez que je regarde mes religions, voilà. Donc on se retrouve avec les catholiques qui contrôlent toujours le centre de l'Europe, les Norse avec le nord de l'Europe, les Romuva qui avait fait une grande révolte contre mon fils, qui était roi de Lituanie, ont acquis leur indépendance, mais pour pas très longtemps. Les Souménousco, qui sont toujours assez partagés avec les Slaves, puisque le Perm était slave jusqu'à très récemment. Les Slaves, maintenant, il y a les Slaves et les anciens Slaves, du fait de la réformation de la religion. Les Tengri, qui sont très partagés, hein, tout simplement, entre les orthodoxes, voyez, ils sont en train de se faire convertir au niveau sunnite. Les chiites qui ont pris le pouvoir dans l'empire arabe, alors que les sunnites se partagent le sud de l'Espagne et le nord des côtes africaines et la Perse. Donc vous voyez que là, les religions sont pas mal partagées. Il me semble que, voilà, l'Ouest africain. Le Mali donc est devenu sunnite, donc peu à peu la religion ouest-africaine va disparaître. Les monophysites qui sont aussi sous le joug de sunnites, ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois qu'on avait fait le tour de la carte. Donc maintenant on va revenir un peu plus à notre épisode et on va essayer de continuer la guerre en cours où on avait attaqué la Lituanie. Alors moi je l'avais attaqué parce que il leur restait, bon, on voyait que le roi déjà est en prison et ensuite ils ont très peu d'armées. On va donner un petit peu d'argent donc on va pouvoir gagner, je pense, cette guerre d'assujettissement assez rapidement. Là pour l'instant il n'y a pas trop d'armées donc on va en profiter dès qu'on pourra pour partager notre armée et essayer de siéger un maximum de territoire pour avoir le score de guerre le plus important. Donc vous voyez qu'on a gagné. Notre premier siège. Allez, hop, on va partager tout ça. On va faire des groupes de 2000. On va envoyer le premier ici. Hop, on partage encore. Voilà, ici, ça sera très bien. C'est parti. Et on va essayer de partager le dernier.
ça va être juste ce qu'il faut. Est-ce que j'ai pas une petite armée que je pourrais mettre de là? Ça va être un peu trop grosse. Voilà, ce sera très bien. Je sais plus si j'avais pris des mercenaires. Oui, on a des mercenaires en plus. Donc, bon, vous voyez qu'on a quand même une relative grosse armée. Allez, hop, une victoire en plus. On avait un complot que j'ai pas fait attention. Un complot pour assassiner la cheftaine de Moray, qui est l'héritière de la Scotland. Donc, on va le faire. On va voir ce que donne un peu cet assassinat. Nous, on va rentrer les bateaux pour perdre un petit peu moins d'or. Là, il faudrait combien? 2100. Alors, on a réussi à l'assassiner. Et voyons voir ce que ça donne au niveau maintenant de l'Écosse. Qui est cette personne? Si on essaye de l'assassiner, 93%. Alors, je fais les complots pour dire d'assassiner les gens, mais de toute façon, je pense que on pourra attaquer, puisque notre fils a des revendications sur Murray, donc on ne devrait pas trop avoir de problème pour la suite de l'aventure. Allez, on va essayer de tuer quelques personnes quand même. Cette guerre devrait se passer sans trop de problèmes. Voilà, encore en plus quelques petites victoires. Pas question de laisser les Romuva s'en sortir. Normalement, notre roi devrait avoir la Livonie assez facilement, je pense. Donc, notre fils devrait pouvoir se débrouiller. Nous, on va récupérer tous ces territoires le plus rapidement possible, bien entendu. Là, déjà 13% de score de guerre avec quelques petites guerres. C'est plutôt pas mal. La Livonie, là, vous voyez, qui est en train de promener ses armées. La Poméranie aussi. Qui est... Non, c'est la Lituanie qui a ses armées ici, qui a pas vraiment beaucoup de soldats. Donc, c'est pas un mal. Au contraire, ça nous arrange. On a perdu quand même pas mal de soldats sur ces guerres-là. Où en est-on ici? Ah, en plus, ils se combattent entre eux, donc c'est plutôt pas mal. Plus la Lituanie perd d'armée, de toute façon, plus on a de chances qu'elle se rende. Il est en guerre contre qui? Contre beaucoup de monde. D'accord, il y a le Vechtandato qui se bat. Et il y a aussi la Livonie qui se bat contre lui, d'accord. D'ailleurs, il est emprisonné par qui, ce roi-là? Il est emprisonné par notre fils. Donc vous voyez que on risque pas trop de toute façon. Il est emprisonné par notre fils, je m'en souvenais plus. Donc on va avoir vraiment le temps de siéger tout ce qu'il faut. Vous voyez déjà 25% de score de guerre. C'est plutôt pas mal. Allez, on avance un petit peu. Ouh, il y a quelques armées là qui se regroupent. Il va falloir ramener du monde, je pense. Je vais essayer de finir mes sièges et après on va les attaquer directement. Pas laisser cette armée-là se former. Allez, c'est parti. Et on va ramener tout ce beau monde pour attraper cette armée-là. Je pense pas qu'il nous attaque directement, mais il n'est pas question de laisser s'en tirer. Voilà. Hop là, comme ça, on fait venir toutes nos armées. Allez, voilà, on arrive à rejoindre. Et on devrait pouvoir écraser cette armée sans trop de problèmes. Oui, ben déjà, reste là, toi, siège gentiment le dernier territoire. On aura perdu beaucoup d'hommes quand même sur cette bataille-là. Un petit peu dommage. Mais au moins, vous voyez que ça fait monter. Alors, attendez, on a notre fille. À qui va-t-on pouvoir la marier, si possible? Transylvanie, Moldavie. Il n'y aurait pas un Norse. On va attendre pour l'instant. Comme ça, on verra par la suite ce que ça peut donner.
Nous, on va essayer de rajouter du score de guerre. Notre fils, 98% de score de guerre. Ah oui, il a vraiment écrasé son adversaire. Donc on devrait avoir le petit drapeau de Norvège qui va apparaître ici. Voilà. Et en plus, il a créé directement la faction pour l'indépendance. Où en est notre complot d'ailleurs, au passage? Il n'y aurait personne qui veut nous joindre. Ah, et il y a une guerre ici. Ah, parce qu'on essaye d'assassiner la reine, apparemment, je pense. C'est ça, on essaye d'assassiner la reine. Et il y a un peu moins de monde qui voudrait. Alors, quelle est la guerre en cours? Alors, reine de Scotland. Il y a une révolte paysanne, mais ça on s'en moque un petit peu. Par contre, ben, ça risque de changer de tête assez prochainement. On verra ça de toute façon. Allez, hop, on déplace nos armées, on essaye de prendre les territoires. 83% de score de guerre, je pense qu'on est plutôt bien avancé. Est-ce qu'on a des factions d'ailleurs? Ah, on a tous les territoires qui appartiennent à des Norse, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, vous voyez que l'autorité morale est vraiment basse. Ça, c'est plutôt dommage. Il faudrait que, si possible, notre fils, qu'on puisse jouer notre fils et qu'on essaye de récupérer et de la piété et de l'autorité morale pour pouvoir essayer de réformer la religion norse. Ça serait vraiment très très utile, ça. D'ailleurs, notre fils, combien il a d'enfants? Il a un enfant pour l'instant, deux. Quelqu'un d'intéressant, enfant de concubine, ça c'est pas très très bon. Il a un an pour l'instant. Ah oui, c'est relativement jeune quand même. On va essayer d'attraper cette armée là. Bah non, on peut pas mettre de. Voilà, 95%. Je pense qu'on devrait arriver à prendre tout le territoire de la Lituanie. Voilà, 100%. Et voilà. Alors, on est devenu roi de Lituanie, bien entendu, puisqu'on a obtenu le titre. Donc, vous voyez que ça, on a quand même un sacré territoire. Mais ce titre reviendra, bien sûr, à notre fils, à notre mort, à notre petit-fils, bien entendu, si on vient à mourir. Si notre fils vient à mourir. Donc, franchement, là, on a un sacré territoire. On va poser les armées pour l'instant. Il va falloir essayer de changer tous ceux qui sont Romuva, les faire changer de religion, bien entendu, puisqu'il n'est pas question de les laisser. Donc ça va être un peu plus compliqué, hein, vous en doutez. Il va falloir soit on vient à éduquer nous-mêmes leurs enfants pour essayer de faire en sorte que... ils puissent par la suite bah, tout simplement être de notre religion. Hein. C'est une façon de convertir. Quand on ne peut pas convertir facilement les personnes, on peut le faire comme ça en éduquant les enfants. Alors je vais essayer ici, voir un petit peu s'ils ont des enfants qui sont relativement adultes. On va essayer par exemple d'éduquer cet enfant-là par nous-mêmes. Il refuse parce qu'il ne nous apprécie pas trop. Et si on lui envoie un cadeau, je veux éduquer ton fils, éduquer enfant, pour qu'il devienne un Norse. Voilà, il accepte, et on va pouvoir l'éduquer. Nous, on a quoi comme territoire? Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas tourné, donc je regarde un petit peu quels sont tous nos territoires. Voilà, on a relativement quand même bien avancé. Notre fils qui est en guerre, pourquoi d'ailleurs? Pour la Carélie, d'accord. Et voyez qu'en plus, il nous appelle pour la guerre. On va accepter, bien entendu. Il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas. Et bon, de toute façon, il devrait gagner, je pense, contre la Carélie sans trop de problèmes. Ah tiens, la Russie qui vient de se reformer. Donc vous voyez que la Russie est redevenue. Les Seljouks qui s'avancent peu à peu encore. La Hongrie qui s'est reformée également. Ça commence à faire un sacré territoire quand même. Et nous, on a quel âge? 62 ans. Non. Alors, on a une guerre
contre nous, bien entendu, ça, il fallait s'en douter. Toutes nos armées. On va lever aussi tous nos bateaux, je pense que ça va être nécessaire. Tous nos bateaux. Hop là, hop là. Est-ce que on peut en faire entrer une partie dans le bateau? Bon, on va faire entrer cette partie-là dans les bateaux. Celle-là aussi. Et comme ça, on va perdre le minimum d'armées. Parce que c'est très important de garder toutes nos armées. Attendez. Non, je veux les bateaux. Merci. Tu me donnes les bateaux. Et de cette façon-là, en récupérant toutes nos armées, on devrait pouvoir, je pense, sans trop de problèmes, venir à bout de nos adversaires. Puisqu'eux, en plus, ils sortent de guerre. Donc, ils ne devraient pas pouvoir vraiment s'opposer à nous. Alors, hop là. Donc, je vais finir la préparation de cette guerre et je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Je vais vérifier quand même un peu le temps. Et je vous dis ça tout de suite. Alors, attendez, on finit de mettre les armées ensemble. Peut avoir 700 hommes et là on en a 200. On va récupérer cela et on va mettre donc tous nos bateaux ici. Ah, c'est vrai que j'en ai encore ici, je les oublie régulièrement. Voilà, et donc je vais faire pause pour le moment. Je vais regarder un petit peu le temps qui me reste et après ben on verra si on continue ou pas. À tout de suite. Ouais, donc en fait, il reste encore bien 10 minutes à rester avec vous. Donc je vais en profiter. Voilà, je me suis noté, mis un petit, une petite note quand même. Donc on va essayer de faire cette guerre. Alors voyons voir les armées qu'on a perdues. On se bat contre quelle personne? Cette personne-là. D'accord. Qu'on mettra en prison quand il faudra, bien entendu. Cette personne-là. Duché de Lituanie. Donc là, je pense qu'on va pouvoir regrouper quand même quelques armées. Ça va être pas mal. Allez hop. En espérant avoir tous les bateaux nécessaires. Et ils ont regroupé quelques armées en plus. Donc on va faire ben, tout simplement la technique de la bombe. C'est-à-dire que eux, ils vont essayer tout simplement de faire en sorte d'écraser nos armées rapidement. Nous, ce qu'on peut faire, comme on est Norse, on peut tout simplement. D'ailleurs, on n'a plus ces armées-là. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu es le roi d'Angleterre et tu veux marier le prince héritier. Tu es qui, toi? Tu es Norse. Eh ben oui. Notre fille sera mariée au futur roi d'Angleterre. Ça, c'est plutôt bon, d'ailleurs. Hop, là, comme ça, on réunit tous nos bateaux. Il y en a encore qui doivent arriver. Mais on va faire. Ah ben dommage, on a perdu les armées. Mais on va pouvoir, je pense, regrouper toutes nos armées et faire en sorte que. Oui, si tu veux. Non, mais non, on ne veut pas te rejoindre à la guerre. T'es mignon. Oui, bah, pars à la guerre si tu veux. C'est pas notre problème, ça. Voilà. Hop, on va regrouper. Oui, si tu veux, assassine-la. Voyons voir un petit peu les armées que l'on a avec nous. Alors, notre guerre à nous, c'est celle-ci. Pour essayer. Alors, il faut vaincre cette personne-là. Et il veut donner le titre. D'accord, il veut récupérer le territoire. Donc, il faudrait prendre Grodno, qui est plutôt loin des côtes. Ce qu'il faudrait faire, c'est écraser leurs armées, bien entendu. Vous voyez que là, ils vont faire tout le tour pour essayer de venir sur nos territoires. Donc nous, on devrait pouvoir. On n'a pas beaucoup d'armées pour l'instant, mais on devrait pouvoir récupérer des armées. Allez hop. Je vais venir tout. Ah, on a réussi à tuer la grande cheftaine de Albanie. Oh, bon, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas tout à fait notre problème. Hop, on va revenir. Par contre, est-ce qu'on pourrait essayer d'assassiner cette personne-là? Non, il n'y a personne qui nous suivrait, malheureusement. Mais on pourrait demander à nos alliés, vous voyez, à notre fils. S'il souhaite venir pour venir nous aider dans notre guerre, pourquoi pas?
Allez hop, rejoins toutes les armées. Hop là. Comme ça, on a vraiment un grand bateau. Il va falloir intercepter les armées ennemies. Et on va essayer de détruire quelques adversaires. Voir ce que ça peut donner. Est-ce que j'irai bien récupérer tous les bateaux? C'est qui ça qui nous attaque? Le Brunswick. Ça nous regarde pas pour l'instant. Par contre, il va falloir qu'on détruise quelques armées. Ça, c'est les Samogites. Est-ce qu'on peut arriver? Attendez. On va... Non. Toi, tu restes dans le bateau. Je voudrais les bateaux, s'il te plaît. Et ils vont venir plutôt ici. D'accord, non. Tu les regroupes, tu restes dans le bateau. Et les bateaux, ils vont venir ici. On va voir pour justement attraper tout ça. Vous voyez que là, on a les armées ici. Nous, on va en profiter. Hop, on descend. Une petite bombe. Et on devrait choper tout ça. Vous voyez, hop là, 2000 soldats qu'on va détruire rapidement, qui ne viendront pas sur notre territoire. Et ça, c'est plutôt bon. Conquête de Carélie. Notre fils a réussi. Vous voyez que là, tout de suite. Eh ben, on va gagner pas mal de scores de guerre. On capture des personnes qui nous serviront pour le bleut en plus. Toi, tu es contre nous ou tu es avec nous? Ça, c'est le royaume de Norvège, d'accord. Ça, c'est plutôt bon. Pourquoi tu es contre nous, toi? Et tu fais partie du royaume de Norvège. Non, on va revenir dans notre bateau et on va essayer de faire une petite bombe comme ça pour détruire le maximum de personnes. On a perdu notre maître espion, d'accord. Maître espion, ici. Non, tu vas découvrir des technologies. Ça, c'est toujours très utile d'avoir de plus en plus de technologies. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi ce territoire-là par rapport à Constantinople? D'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait de choisir Constantinople. C'est que au tout début du jeu, il faut savoir que quand on commence en 800 et quelques, Sinope, c'est le territoire qui a les plus grandes technologies au départ. Donc là, bientôt, je remettrai sur Constantinople, vous voyez, 16, 15, 15. Alors qu'ici, 6, 18. Et nous, vous voyez, on n'est pas super avancé. Si je regarde... Notre territoire, c'est lequel? C'est celui-là, notre territoire de Jure. D'accord, il est 7, 6, 6. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très avancé. Non, c'est celui-ci, 13, 11, 12. Si on prend Constantinople, ils sont 16, 15, 15. Donc on a plus de chances d'obtenir des technologies pour augmenter notre militaire, etc. Donc c'est non négligeable. Attendez, où on en est nous? Voyons voir où sont nos adversaires. Si, ah ben ils avancent encore et apparemment ils auraient subi quelques dégâts. Et on va les attendre tranquillement pour intercepter leurs armées. Voilà, viens ici. Une petite sauvegarde. Et c'est parti. Hop, une grande bombe. Et voyez, à 6000 soldats contre 3000, on devrait pouvoir les écraser sans trop de problèmes, je pense. Et c'est parti, hop, pour une victoire. On aura écrasé énormément d'hommes. Là, ça c'est plutôt très bon. Varend, c'est ici. Il nous manque. D'accord, on peut mettre personne pour l'instant. Voilà, hop, on va les écraser. C'est fait. On a capturé. Ah non, paix blanche, d'accord. On va demander au roi d'Angleterre s'il veut venir nous aider, de toute façon. Voilà, normalement il devrait, puisqu'on se bat contre une autre religion que la nôtre. Et par contre, je vais essayer... oui. Non, on va plutôt avoir l'or et le prestige avec Odin. On l'a déjà eu plusieurs fois. On va réessayer le coup de la bombe. Voilà, vu que il s'échappe quand on arrive, et ben dans ces cas-là, pour contourner... Vous pouvez utiliser les bateaux. Et hop, on contourne, on tombe directement sur eux, on les écrase et on gagne du score de guerre assez facilement de la sorte.
Donc ça peut être pas mal. Voilà, on a gagné des batailles, on a capturé du monde. On continue à en détruire. On est à 50% de score de guerre. Ils perdent leurs armées. C'est qui ça? Notre neveu qui veut qu'on le marie. On va lui trouver quelqu'un de bien. Tiens, tu vas prendre cette personne-là. Elle sera contente. Et au revoir, mon neveu. On a perdu notre intendant. Bah, tu vas faire des recherches technologiques. Hein. De toute façon, nous, faut qu'on les avance. On en a besoin. Et on va aller plutôt en territoire ennemi directement maintenant. On peut aller conquérir, prendre des territoires, puisque je crois que on contrôle toujours la Lituanie. Donc on va avoir du score de guerre. Là, rajouter des armées. Bah tiens, on va même aller les détruire, vu qu'ils essayent de se regrouper. On va laisser cette personne en prison. Encore une guerre qui a été gagnée pour nous. On perd beaucoup de monde là. Nos conseillers commençaient à se faire assez âgés. C'était plutôt pas mal. On va te garder pour l'instant sous le coude. Et on verra pour la suite. Mais nous, on doit surtout détruire des armées adverses. Très important pour nous. Voilà, 63% de score de guerre. Je pense qu'il y en a qui vont finir en prison. En plus, notre fils qui vient nous aider. Ça, c'est vraiment d'un grand bénéfice. Ouais, 6000 hommes, je pense qu'il va pouvoir prendre quelques territoires assez rapidement. Et il y en a encore ici. Donc, vous voyez que là, on craint vraiment pas trop. On devrait pouvoir remporter cette guerre sans problème. Donc on va essayer de la terminer et après on se laissera là pour cet épisode-là. Et on essaiera même d'augmenter là ici l'autorité de la couronne, quoique. Mais si on essaiera de mettre au moins en faible pour qu'il n'y ait plus de révolte. Ça pourrait être très bien pour nous. Voilà, 79% de score de guerre. Ah oui, là notre fils fait un carnage. Donc vous voyez que des fois faire tous les derniers épisodes qui n'étaient pas très très intéressants en termes de déplacement, parce qu'on faisait pas beaucoup de guerres, on faisait surtout du pillage, sont très importants dans le jeu, puisque justement toutes ces magouilles en quelque sorte, tous ces complots qui ont été faits, en fait, ne rapportent pas sur l'instant même, on voit pas tous les bénéfices qu'il y a d'une guerre, mais à très long terme, on voit que ça apporte énormément, puisque notre fils est roi de Norvège. Nous, on a réussi à avoir le royaume de Lituanie, que de toute façon notre fils obtiendra à notre mort. Et on pourra avoir d'autres revendications comme ça. On pourra créer très rapidement l'empire de Scandinavie. Mais ce sont des choses, quand on joue à Crusader Kings 2, qui sont très importantes, qu'il ne faut pas négliger, puisque ça peut apporter énormément. Alors, surtout quand vous êtes de la même religion, ça peut être d'un bénéfice énorme. On va accepter sa reddition. Voilà, on va avoir plusieurs ducs qui vont être en prison. On va pouvoir baisser nos armées. Voilà, on baisse les bateaux également. Et on va se laisser là donc pour cet épisode. On se retrouvera donc dans le prochain épisode, voir un petit peu bah, ce qu'il se passe, comment évolue notre partie, puisque maintenant on a des alliés plutôt puissants, l'Angleterre. On a des revendications en Écosse, donc on pourra étendre notre puissance sur l'Écosse. On pourra attaquer également le nord de l'Europe et de l'Allemagne. Vous voyez qu'en plus, on devrait gagner de plus en plus de scores de guerre de ce côté-là. Arriver à faire des invasions pour aller le plus loin possible. On va lancer d'ailleurs, tant que j'y pense, ici, pour obtenir une loi de la couronne plus haute. C'est notre petit-fils, hein, bien sûr. On a deux petits-fils. Ça, c'est intéressant. On en profitera peut-être pour garder le plus intéressant des deux. Enfin bref. Je vais pas commencer à regarder ça tout de suite, sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Moi, je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!